Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour messieurs dames, bienvenue à bord. Vous allez voyager aujourd'hui à bord de Coquelicot. Pas longtemps. Pas longtemps. Non, pas longtemps non. Du tout. Non. Il y a un tout petit hic technique. Technique dans Coquelicot, pour le moment, ça ne va pas le faire. Non, mais vous le découvrirez lorsque vous serez à bord de Coquelicot. Mais par la suite, vous allez passer tout le reste du voyage à bord de Foxy, notre super génial camping-car qui trotte comme un lapin. Avec surtout une... depuis qu'il a son nouveau turbo. Je crois que le pilote est très content de son turbo. Ah oui, et Foxy aussi. Hein. Ouais. Et notre pilote attitré, connu et reconnu sur le monde des routes européennes, notre très cher Christa. Donc, à votre service. Si vous n'avez pas de temps, si vous n'aimez pas la route, si vous ne voulez pas attacher votre ceinture, si vous ne voulez pas arrêter votre cigarette, ne montez pas à bord de Foxy, ça va être un long voyage. Passez à votre chemin. Bon embarquement, mesdames, messieurs. Démarrage immédiat. Bon. Allez. Ça y est, direction Brenner. Alors là, de la montagne, on va en voir. Alors le petit cliquetis qu'on entend, en fait je ne peux pas l'arrêter parce que c'est tout simplement le plastique de mon tableau de bord qui fait un tout petit bruit. Et avec le caméscope, eh ben, ça résonne. Désolé pour cliquetis, mais vraiment, c'est joli, c'est pittoresque. Je ne sais pas quel mot dire. Oh là là, le tableau de bord fait un bruit infernal. Je suis profondément désolée. Dans mes vidéos maintenant. Alors je vais essayer de te filmer le passage à la frontière parce que le passage à la frontière entre la France et l'Italie, je l'ai à peine vu à Montgenèvre là. En plus je pensais que Christa allait filmer à ce moment là, elle n'a pas du tout filmé, moi j'ai pas filmé non plus, bon. C'est pour bien marquer le coup quoi. De passer d'un pays à l'autre. Tu vois au-dessus, c'est l'autoroute. Oh là là. Mais quelle construction, quoi. On le voit à travers les rochers, à travers les arbres. Il y a une sacrée hauteur. Nous, on a un tunnel. Christa va dire, ce sont les Dolomites. Dans vos commentaires, vous parlez beaucoup de la route qui est importante, que ce n'est pas la destination. Et vous savez que ça, c'est quelque chose que je partage
totalement avec vous. Et voyez cette route là, moi je trouve que c'est génial. Alors oui, il y a des jolies choses, oui, il y a des choses moins belles. Il y a une bonne côte là, ça y est, ça commence. On y va tranquillou. Je peux pas m'arrêter. Ah si, je vais m'arrêter pour laisser passer. Il y a une voiture derrière moi. Mais la route, elle est vraiment très, 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 très sympa. Voilà, je l'ai passé, basé la moto, la voiture. Moi, je prends le temps. Non, mais t'as vu cette construction, quoi? Si tu passes par l'autoroute, tu vois même pas. Bon, la nature, c'est beau, mais bon. Le génie de la construction comme ça, c'est waouh. Je préfère quand même de ce côté-là avec les petites maisons, les sapins. Et je vais rouler là, moi. Eh ouais. En tête rétrogradée pour ce magnifique virage en épingle. Bonjour les motos. Tiens, vous me faites penser à quelqu'un. Eh oui, vous me faites penser à quelqu'un qui avait un commentaire, qui voulait faire une balade le long du lac à moto. Ça va, si t'es aussi sage que tu restes de ton côté, vas-y, 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 éclate-toi à moto. Ça va passer sous l'autoroute. Regarde-moi ça. Non mais c'est énorme hein, quand même. Hein. Ça un peu. Je vais tout doucement, c'est pas gênant, il n'y a personne derrière, je n'embête personne. N'empêche que pour une route, je la trouve très bien. Bon, pas trop de virages, on a eu deux grands virages en épingle, je sais pas si on peut même appeler ça virage en épingle tellement ils étaient doux. Là, c'est vrai que le goudron est un d'un peu moins bonne qualité, mais jusqu'à pas, je sais pas, jusqu'à présent c'était très très bien. J'aime bien passer dans les villages, un petit bourg. Bon, alors mon grand angle du caméscope. Je viens de voir qu'il était abîmé à l'intérieur carrément. J'espère que j'arriverai à le réparer. Je sais pas trop comment. Bon, il est temps que je songe sérieusement à avoir une autre caméra. Parce que si j'ai plus de grand angle, ça va être bien dommage. On nous a justement proposé il n'y a pas longtemps de tester une caméra, une petite caméra de type GoPro. Je crois qu'on va le faire parce que vraiment là, mon petit caméscope qui était de toute petite qualité est en train de rendre l'âme. C'est dommage parce que j'aimais bien, mais d'un autre côté, il est encombrant. Donc c'est vrai que souvent je le prends pas. D'ailleurs là aujourd'hui j'aurais bien filmé. Chrissa nous a trouvé un nouvel endroit qui n'était pas référencé sur Park4Night. C'était assez sympa. Tout le monde cherchait l'endroit, c'était rigolo. On s'est retrouvé des Espagnols, Italiens. On était quatre camping-cars.
On jongle entre les langues, j'en perds mon espagnol même, à force de jongler entre l'italien, l'anglais, le français, quelques mots d'allemand. Ah, mais c'est chouette, c'est vraiment trop chouette. Mais bon, l'espagnol m'est revenu, j'ai pu discuter avec le couple d'espagnols, c'était vraiment chouette. En tout cas, nous, on tombe, écoutez, c'est pas pour dire, mais on tombe vraiment très, très, très souvent sur des gens très sympas. Peut-être qu'on fait pas attention à ceux qui sont pas sympas aussi, sûrement. On les laisse, on les oublie vite. Allez, on fait un petit coucou au camping-car! Ouais, il m'a fait coucou! Entre camping-caristes, quand même, c'est sympa. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on a été très, très, très en colère contre des camping-caristes qui sont arrivés où nous étions au bord du torrent. Et ils avaient carrément leur chien dans une caisse enfermée, quoi. D'accord, Madame GPS. Et c'est vrai que leur chien était enfermé dans cette caisse et enfermé dans la soute. Oh là 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 là. Ça m'a pas plu. Ça n'a pas plu à Christin. Bon. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça qu'on voit. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se tait, on dit rien. C'est très délicat. Et oui, il y a des choses des fois qui nous révoltent. Mais de voir ce pauvre chien dans la soute, dans cette caisse, waouh! C'était bizarre. On se croirait plus en Italie parce que vraiment, c'est écrit en allemand ou en gros, je ne sais plus comment ils appellent la langue d'ici, qui est entre l'italien et l'allemand. Et je rappelle que nous sommes proches de l'Autriche, hein, pas de l'Allemagne. Alors le col de Brenner, ça a toujours été un passage à travers les Alpes très important depuis très 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 longtemps, en fait depuis toujours. Le col de Brenner, il fait environ 1300 mètres et toutes les montagnes tout autour, ça dépasse les 3000 mètres, 3000, 4000 mètres. Donc le Brenner, ben, ça a été un passage du nord au sud assez important, toujours, depuis toujours, voilà. Innsbruck, de Innsbruck, Autriche, pour aller vers le sud. Mais moi j'ai vu où c'est. T'as vu où c'est les carabiniers? Ouais, bah c'est derrière la maison des carabiniers. Et c'est derrière. Il faut passer l'espèce de grille là. Non, 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 non. C'est juste avant. Il y a une petite rue qui tourne, qui monte, et c'est là derrière. Oh.
Bon bah je te suis alors. On va aller à pied pour faire le repérage. Ouais, parce que ça n'a pas l'air simple. Hein. Non, c'est hyper facile, c'est pas très large, mais après. J'ai pas vu. Si, si, mais moi je l'ai vu en passant. Ouais, j'ai vu le carabinier, tout ça. Ouais, mais c'est derrière. Oui, je savais que c'était derrière, j'ai regardé. Ah ouais. Bon, c'est-à-dire aussi, avec, il y a du monde. Il y a du monde. Vraiment du monde, purée. Ouais, bah, toutes les petites. C'est la frontière, hein, c'est la frontière, quoi, voilà, qu'est-ce que tu veux. C'est... Ouais, et malheureusement, j'ai trouvé d'où vient le bruit. Alors, c'est quoi? C'est mon objectif, mon grand angle. En fait, la lentille à l'intérieur, c'est décollé, quoi, carrément. Oh, merde. Ouais. Donc, mais tu peux l'utiliser quand même? Nous voilà en Autriche et la première chose que j'ai vue, le prix du gasoil au lieu d'1,59, 1,60 comme en Italie, c'était 1,31. Donc ça valait le coup d'attendre. Bon, et on commence la descente tout doucement. On était quand même à 1372 mètres. À l'origine, on avait prévu de faire une pause, il fallait passer la nuit ici, mais finalement, on a décidé, non, c'était pas si joli que ça. On continue. Et on va essayer de se trouver un parking, un endroit un peu plus loin. Ambre, elle a repéré un lac qui s'appelle Brenazé. Il me semble que c'est tout de suite à gauche, là. Je pense qu'il faut droit et je crois qu'il faut tourner à gauche ici. Voyons si c'est ça. Je vais tenter. Je crois que c'est ça. Est-ce qu'on peut accéder à ce lac ou non? J'espère qu'on peut faire demi-tour au bout, ben sinon on s'étape tout en marche arrière. Restons en Wandre, t'as bien raison.
Bon, donc c'est pas ça, belle place, mais c'est privé et il y a une barrière qui apparemment est utilisée avec un cadenas, ça me plaît pas. Donc on repart direction Eagles. Après 200 mètres, tournez à gauche. Oui, merci, je sais. Hop. Allez, c'est parti direction Eagles, direction Innsbruck en fait, et on verra bien si on trouve un truc au cours de la route. Je dirais on voit absolument rien dans le virage là. La construction de l'autoroute. Côté Autriche, c'est aussi impressionnant que côté italien, hein? Bon, nous arrivons enfin en vue du pont d'Europe, Europa-Brücke. Un peu caché, ben j'étais obligée de m'arrêter parce que la carte SD, la carte mémoire, elle était pleine. J'ai tellement filmé aujourd'hui. Donc, chercher un petit, toute petite place. Voilà, là vous l'avez le pont. Là, voilà le pont. Ça, c'est le fameux pont d'Europe. Ah, c'est pas qu'il n'est pas idéal non plus, on voit rien, Domino arrête, c'est un cycliste. Allez, je vais tourner un peu pour mieux voir. Voilà le fameux pont d'Europe. On va passer dessous. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant. Hein? Pouh. Le boulot. Je sais pas s'il y a un parking un peu plus loin où on peut s'arrêter pour mieux voir. En tout cas, l'autre côté, ça montait pas beaucoup. Par contre, ici, ça descend beaucoup. Eh bien, tiens. Je vais m'arrêter. Voilà, je vais m'arrêter là. Un petit marche arrière. Voilà,
le pont d'Europe dans toute sa splendeur. Le pilier, là je vois pas, est-ce que c'est celui de gauche ou c'est celui de droite, je sais pas, un des deux là, c'était le pilier plus long du monde à l'époque de la construction. Et bah, c'était dans les années 61, 62, quelque chose comme ça. Voilà. Elle fait un kilomètre, pas tout à fait, il faut que je vérifie. Je me souviens plus, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Voilà, et ça c'est l'autoroute. Vous voyez, ça circule. Sinon, la vue, bien évidemment, est magnifique. Hein? Monter un peu, donc l'autoroute arrive de là. On n'est pas très loin d'Innsbruck, on est à une quinzaine de kilomètres d'Innsbruck ici. Voilà, c'était un exploit à l'époque. Enfin, c'est toujours un exploit hein, pour un projet européen. Financé par l'Europe, je sais pas trop quoi. En 60-61, il avait combien de pays dans l'Union européenne? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Parce que les 28 qu'on a maintenant, c'est uniquement depuis 2002-2003. Avant, on était à 12, 15, quelque chose comme ça. Au départ, c'était 3 ou 4 ou 5. Ça remonte à très longtemps. À l'époque, il n'avait pas, des années 60, il n'avait pas encore ni l'Espagne, ni Portugal, tous ces pays-là, il ne faisait pas encore partie de l'Union Européenne. Oula, ça y va doucement là. Les poids lourds. Alors, est-ce que lui, il a eu un problème ou c'est quelqu'un devant? Parce qu'on ne voit pas les voitures, on voit que les poids lourds. Et tout de suite, ça fait bouchon, hein. Ouh, y a coquelicot. Oula, ça s'arrête presque là. Hein? Bon, c'est l'autoroute, donc payant. Et là, c'est la vallée. Ça, ce sont les Alpes, comme ils sont dans mes souvenirs d'enfance. Ouais, parce que j'habitais Berlin à l'époque. Et mes grands-parents ont adoré les Alpes. Je crois qu'ils ont tombé amoureux des Alpes quand ma tante s'est mariée. Elle s'est mariée à Innsbruck, justement, en 62. Et... ouais, non, on est déjà venu avant. Oui, on est déjà venu avant parce que ma tante, elle habitait en Autriche depuis, depuis 59, 60, quelque chose comme ça. Et je crois qu'à ce moment-là, mes grands-parents sont tombés amoureux de l'Autriche et des Alpes en règle générale, parce qu'à Berlin, il n'y a pas d'Alpes. Hein. Et donc, on est venu ici, on est venu en Autriche, à Tyrol, on est venu au Tyrol du Sud, on a visité Merano, Bolzano, Bressaro, Brixen, là où on était les deux, trois dernières nuits, hein, juste à côté. Et en fait, quand mon grand-père partit à la retraite, ils ont quitté Berlin, mes grands-parents, et ils sont venus s'installer en Bavière, au bord du lac du Chiemsee. C'est à peu près à mi-chemin entre Munich et en Bavière et Salzbourg en Autriche. Allez, on continue la route, il reste encore une quinzaine de kilomètres, 10 kilomètres à faire avant d'arriver à notre étape. Bravo.
voilà, les derniers kilomètres avant d'arriver à l'étape. Ouais, ça descend et ça tourne et ça vire. Un dernier coup d'œil sur le pont d'Europe. En plein milieu de nulle part, un centre commercial. Pourquoi pas? Bon, je vais redonner la voie à mon GPS. Après 700 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. D'accord, madame. Oula, ça bouchonne. Le truc qu'on voit au fond là, on voit très bien là, c'est en fait la rampe pour le saut du ski. Voilà, la tour là et tout ça. On est presque arrivé. Et nous voilà à Innsbruck. Stade olympique. Au rond-point, prenez la première sortie. Voilà, Eagles, c'est là où on va. Oui, c'est là où on veut aller. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. On passe sous l'autoroute là. Purée, cette autoroute, elle ne lâche jamais, hein? Mètres, tournez à droite et puis restez sur la gauche. Oui.
Allez, on va laisser passer. Voilà. Ouais, ça penche un peu, mais ça ira. Alors, comment était le voyage, madame? Avez-vous aimé? Monsieur, c'était pas trop long? Ah ben oui, c'est ça une journée de voyage. Alors, madame le pilote? Moi, c'était une belle journée et une belle route. Je vous remercie de nous avoir accompagnés. Domio et moi. La compagnie Foxy & Co. vous remercie voilà. d'avoir participé à son activité de voyageur. Au revoir, au revoir.